Regardez, c'est le fils du duc. Non, c'est le fils de Satan. Pendez-le au gibet ! Qu'il périsse sur le bûcher. Tuez-le. Habitants de Villar de Fuentenegra, craignez la puissance de la Sainte Inquisition. Nulle engeance de Satan ne pourra échapper à la fureur de Dieu, pas même dissimulée sous les plus nobles atours. La ferme, cochon étranger! Je vais t'en donner des raisons de couiner quand je commencerai à te torturer. Oh.
Je me nomme Miguel de Castro, fils du duc de Fuentenegra. Si vous m'aidez à m'échapper, mon père vous couvrira d'or. Merci pour l'offre, Don Miguel, mais ça ne risque pas d'arriver. L'Inquisition vous accuse d'être un fils de Satan à cause de votre capacité à comprendre toutes les langues. De ce fait, votre père a été forcé de vous renier. Je ne suis pas le fils de Satan. Je vous crois, Don Miguel. Mais hélas pour vous, mon opinion n'a aucune importance. Contrairement aux crétins superstitieux de ce village, je ne crois pas à l'existence de Dieu ou du diable. Vous buvez tout le temps. Comment se fait-il que vous ne soyez pas encore sous ? Quand on a servi comme soldat pendant suffisamment longtemps, on se retrouve immunisé contre l'alcool et aussi contre les morpions, Don Miguel. Cela fait partie des choses qu'un homme fait pour oublier ce qu'il a fait aujourd'hui et pour trouver le courage de recommencer demain. Allez-vous me torturer ? Oui, ils vous poseront des questions auxquelles vous ne pourrez pas répondre. Comme tous les prisonniers, vous vous raccrocherez à un chimérique espoir de survie. Cela vous prendra des heures pour passer aux aveux. Avec un peu de chance, j'aurai le temps d'utiliser tous mes instruments sur vous. Comment fonctionne le brodequin ? On tourne la poignée pour séparer le plus possible les deux planches. Ensuite, on place la cheville du prisonnier entre elles. Ce sarcophage près de la porte... C'est une vierge de fer, c'est ça ? Oui, on met le prisonnier dedans et on ferme la porte très lentement. L'agonie est longue et extrêmement douloureuse. Comment avez-vous l'intention de me torturer ? Bonne question. Je vais commencer lentement et tendrement. Les cure-dents sous les ongles, les petites coupures aux paupières... Ensuite, j'augmenterai progressivement l'intensité. Mais comme je vous l'ai dit, je vous aime bien. Alors avouez rapidement et vous échapperez à mes tortures. Vous m'avez dit que Villard de Fuentenegra est un village de superstitieux. Dès que la nouvelle s'est répandue que vous étiez capable de comprendre toutes les langues, vos voisins vous ont dénoncé à l'Inquisition. Pourquoi y a-t-il un porc dans ma cellule ? Tout comme vous, il attend son tour pour être torturé et jugé. Si seulement il pouvait attendre en silence ! De quoi est accusé mon répugnant compagnon de cellule ? De sacrilège. Le moine qui s'occupait de lui s'est coupé avec un outil de jardinage. Le porc a senti le sang, ça l'a rendu fou, et puis il l'a mangé. C'est un meurtre, pas un sacrilège ?
Si cela n'avait été qu'un meurtre, il ne serait pas jugé par l'Inquisition, mais par votre ancien père. Le moine venait de recevoir la communion. D'après l'Église, il avait le corps du Christ en lui. Donc le porc a reçu la communion en mangeant le moine. Recevoir la communion sans être baptisé est un sacrilège. Un sacrilège fort commun chez les démons. C'est complètement dingue. Mais nous vivons dans un monde de dingue. Auriez-vous perdu la tête? Comment l'Inquisition peut-elle juger un animal? Ce n'est pas la première fois. Il y a quelques mois de cela, on a jugé un essaim de termites. Ils avaient mangé un retable. L'Inquisition française, pour sa part, a réussi à faire avouer un crime à un porc, après l'avoir torturé pendant plusieurs jours. Mais c'est de la folie! L'Inquisition est une magnifique folie. Enfin bref, lorsque vous serez familiarisé avec mes méthodes, vous n'aurez plus aucun doute sur le fait que je pourrais faire avouer même la plus silencieuse des pierres. Vous allez donc torturer un porc? Je dois reconnaître que ce n'est pas aussi plaisant que de torturer un être humain, mais il nous arrive à tous d'avoir parfois à faire des choses qui nous déplaisent. Dès que j'en aurai fini avec vous, je m'attaquerai à lui. Si l'écouinement du porc vous déplaise tant que ça, comment allez-vous faire pour le torturer? S'il est vrai que les pleurs d'un bébé pourraient venir troubler mon sommeil, les cris d'un bébé en train de se faire écarteler ne feraient que le rendre encore plus doux. La cicatrice sur votre visage est la plus longue que j'ai jamais vue. Un souvenir de bataille, offert par un soldat de cet usurpateur de Don Juan du Portugal. Il a fini par être capturé. Je l'ai reconnu et je l'ai sauvagement torturé à mort. Je crois que je lui dois ma vocation actuelle. Qui se trouvait dans ma cellule avant moi? Un simplet qui avait tendance à satisfaire ses pulsions onanistes pendant la messe. Ce crétin n'était même pas fichu de comprendre de quoi on l'accusait. Il ne savait même pas quoi confesser. Pour l'amour de Dieu, ayez pitié de moi. Je vous aime bien, Don Miguel. Vous auriez pu me menacer au nom de Dieu ou du diable, mais vous ne l'avez pas fait. Je saurais me montrer clément. Plaidez coupable pour tout ce dont on vous accuse. Vous serez condamné à mort, mais vous échapperez aux tourments de mes tortures. L'Inquisition sera très intéressée d'apprendre que vous n'avez pas la foi. Vous serez très intéressé d'apprendre que c'est précisément pour cette raison que l'Inquisition m'a embauché. Tant de prisonniers essayent de me menacer avec leur pouvoir satanique. Quelqu'un de plus superstitieux que moi se serait déjà fait avoir depuis le temps. Vous jurez en vain, Don Miguel. Vos menaces ne me font ni chaud ni froid. Contrairement aux crétins superstitieux de ce village, je ne crois pas à l'existence de Dieu ou du diable. De quoi est accusé mon répugnant compagnon de cellule ? De sacrilège. Le moine qui s'occupait de lui s'est coupé avec un outil de jardinage. Le porc a senti le sang, ça l'a rendu fou, et puis il l'a mangé. Thank you.
Il y a une planche en bois avec des trous dans ma cellule. À quoi sert-elle? Vous n'avez jamais vu de pilori? Alors ça m'épate. Le duc, votre ancien père, devait s'en servir très souvent avec ses vassaux mauvais payeurs. Il y a une planche en bois avec des trous dans ma cellule. Vous n'avez jamais...
Il y a une planche en bois avec... Vous n'avez jamais... Allez-vous me torturer ? Oui, ils vous poseront des questions auxquelles vous ne pourrez pas répondre. Comme tous les prisonniers, vous vous raccrocherez à un chimérique espoir de survie. Cela vous prendra des heures pour passer aux aveux. Avec un peu de chance, j'aurai le temps d'utiliser tous mes instruments sur vous. Il y avait de l'huile dans le chaudron de ma cellule, non ? La procédure habituelle consiste à faire bouillir l'huile avant de la verser sur le prisonnier. Je préfère la combiner avec des entonnoirs en métal pour la verser dans tous ses orifices. Il y a une planche en bois avec des trous dans ma cellule. À quoi sert-elle ? Vous n'avez jamais vu de pilorerie ? Alors ça m'épate. Le duc, votre ancien père, devait s'en servir très souvent avec ses vassaux mauvais payeurs. On passe la tête par la grande ouverture et les bras ou les jambes par les petites. Ensuite, on l'emmène en place publique et on laisse la foule s'amuser. Que pouvez-vous me dire d'autre à propos du pilori ? Le pilori est un instrument de torture libre inventé par Sir Richard Stockman. Il pense que la torture est un bienfait commun, un espace des possibles qui se doit de rester ouvert à la créativité de la communauté. Ainsi, chacun peut modifier le destin du prisonnier grâce à une fourche ou en distribuant son individualité sur lui, généralement sous la forme de fluide. Thank you.
En tant que fils de Satan, vous feriez mieux de vous habituer à toutes sortes de créatures, même à ce brave Ursus. À présent, nous devons partir. Non, vous allez d'abord répondre à mes questions. À une seule. Le coq est sur le point de chanter. Pourquoi me venez-vous en aide ? Je suis en quête de connaissances, Miguel. Votre don pour les langues est la clé dont j'ai besoin. Êtes-vous satisfait ? Pas encore. Qui êtes-vous ? Je me nomme Rinez de Orduña. Et j'appartiens à l'ordre des frères mineurs de Saint-François. Venez, je vous en prie. Je ne vous ai pas sauvé la vie. Je vous en ai accordé une nouvelle. Et je vous prie d'en faire bon usage. Je suis désolé. Je crois que je vous dois des excuses. Votre seul devoir est de monter tout de suite sur ce cheval, sinon nous risquons de périr tous les trois.